n'est pas seulement Radio Ihsan qui est en mandat dépôt, qui est arrêté. Ce n'est pas seulement Radio M et Maghreb Émergent qui sont mis sous scellé, mais c'est le citoyen et la société algérienne. Le fait de nous priver de ce droit, le droit à l'information, tel qu'il est transcrit dans la Constitution et les conventions internationales ratifiées par l'Algérie, halte à l'arbitraire, libérer Radio Ihsan. S'il y a une personne qui m'a rendu fier d'être journaliste, journaliste algérien, c'est bien Qadi Ihsan. Thili Imes Ihsan Al-Qadi. Ihsan Al-Qadi, journaliste, on peut résumer sa vie professionnelle, militantisme, liberté, intégrité. Toute ma solidarité avec Monsieur Ihsan Al-Qadi et tous les journalistes de Radio M et Maghreb Émergent, le journalisme n'est pas un crime. Ma solidarité avec, évidemment, Ihsan Al-Qadi, qui est un collègue, même si nous n'avions pas travaillé ensemble, il est passé par la chaîne 3, j'y étais bien avant lui, et puis bien entendu, Radio M est un bijou qu'il faut absolument préserver, et il doit continuer à faire son travail. Libérer Ihsan Al-Qadi. Tout mon soutien à Ihsan Al-Qadi et à tous les détenus d'opinion. As-sahaba li sa jalima. نبغى الجزائر تقدر تسل اللي وين ماشي ذا الكازيرنا ثيل اللي ني محبس من الراي ثيل اللي ني نغمسن حبينا جمهورية الحريات ماشي كازيرنا الحرية للمعتقلية الرأي الحرية للصحافة يا لي إحسان قاضي الصحافة ليست جريمة الحرية لكل معتقلية الرأي Solidarité avec Ihsan Al-Qadi, Radio M, Maghreb Émergent, tous les détenus d'opinion et politique en Algérie. Tout mon soutien est resté à l'escalier à tous les détenus d'opinion. À Sahara et à Saint-Germain.